Allez, c'est Jeffrey de la diaspora. Je suis désolé, il y en a beaucoup de bruit parce que j'habite à côté de la route. Je ne peux pas te montrer, il y en a des courges comme ça qui sont en train de suspension là. Elles sont en suspension, elles font la gymnastique, elles ne bougent pas, elles sont immobiles. Parce que, en fait, quand j'ai fait une barrière avec des branches, et il y a aussi quelques ronces, je crois, et des orties, et celles-là, elles restent dedans. Elle est comme ça, il n'y a pas les rongeurs qui viennent les embêter. En revanche, il y en a une, elle n'a aucune protection, donc elle est vraiment à même le sol. Je l'ai juste mis sur un bout de bois. Et puis, comme c'est posé comme ça, c'est accessible. Il y en a, les rongeurs, ils sont venus, ils ont essayé de croquer ça. Donc, je vais être obligé de l'accueillir. Et puis, l'emmener dans la maison, je vais couper le morceau où les rongeurs, ils ont posé leurs dents. J'espère que je ne vais pas attraper des maladies parce que c'est dégueulasse. Les rongeurs, ça pue de la gueule. On va la manger quand même. On va faire bouillir de toute façon. Hein? Parce qu'on ne va pas la manger crue. On ne va pas faire ça en salade. Hein? On ne va pas non plus, comment dirais-je, les courges farcies. Donc, je vais la couper. Je ne sais même pas si c'est une courge, c'est une citrouille. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, elle va finir dans mon ventre. Et c'est fait des légumes gratuits. Peut-être c'est quand même les légumes gratuits. Tu plantes des graines. Tu les plantes n'importe où, tu les oublies. Après, ça pousse comme ça. Ou alors, tu achètes des plants si tu n'as pas de graines. Et tu plantes comme ça, tu les oublies, ça pousse tout seul. Ça passe la canicule. C'est vraiment magique. Tu es content. Tu n'as rien fait, tu n'as pas arrosé. Et c'est la belle vie. Et maintenant, je vais récolter ça parce que... déjà, je vais couper ça où? Je vais couper ça ici. Hop. On va essayer de couper ça bien. Oh, c'est compliqué de couper ça, hein? Bon, parce que je suis mal passé, parce que je tiens l'appareil photo. Alors là, je coupe. Hop! Elle est grosse! Je vais te la montrer. Elle est grosse! Je vais te la montrer. Elle est grosse! Hop! Voilà! En plus, je me suis fait paquer par des orties, tout ça pour te montrer ma courgette. Ils ont bien essayé de rentrer dedans. Il a carrément voulu rentrer sa tête, là, le cochon. Bon, ben, quand c'est comme ça, ben, les courgettes, les potirons, il faut que ça pousse dans les orties. Comme ça, c'est mieux. Mais cela, tu n'es pas protégé par les orties, par les branches, et ben, tu as vu. Et les prédateurs des courges, et ben, ils ont sauté dessus. Bon, ben, c'est fini, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt, et ben, fais comme moi, mets-toi au jardinage, fais la permaculture et tout ce qui s'ensuit. Si tu fais ça, tu te fais beaucoup d'amis. Je suis désolé, il y a un train qui vient de passer. J'ai voulu t'épargner le bruit, mais je n'ai pas réussi. Et ben, je te dis à très bientôt. À bientôt.